Les impacts sur l'environnement d'un produit sont multiples. Il existe plein de solutions pour les réduire. Concentrons-nous sur l'emballage. Savais-tu que l'emballage impacte le goût de ton café ? Ce dernier joue un rôle essentiel dans la préservation des arômes. Mais même le meilleur emballage ne saurait donner bon goût à un mauvais café. Au contact de l'oxygène, le café moulu perd son arôme. C'est pourquoi des films multimatériaux avec une couche barrière souvent en aluminium la protègent. Même jetés dans le bac de tri, ces emballages ne sont pas recyclés. Ils sont enfouis ou incinérés. La production et l'incinération des emballages génèrent des gaz à effet de serre, tels que le CO2. Cela participe directement à l'acidification de l'océan, entraînant par exemple le déclin de leur biodiversité et donc notre sécurité alimentaire. La goélette Tara étudie justement l'impact des changements climatiques sur le microbiome marin aux quatre coins de l'océan. Loin de nous l'idée de passer sur des capsules en aluminium, même recyclées, leur impact environnemental est encore pire. En privilégiant le café en grains disponible en vrac et en le conservant au réfrigérateur, on réduit l'emballage jetable sans pour autant sacrifier l'arôme.